TGV accueillera Orchi maintenant dans un peu plus de 5 minutes. Nous allons commencer notre présentation. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer le retour du son? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez?
bon. Quelques secondes avant le coup d'envoi. N'hésitez pas à repartager le lien de ce live Facebook sur vos différents profils, histoire que tout le monde en profite, surtout pour les supporters d'Orchi, qui n'ont évidemment pas pu faire le déplacement. Et pour les Chalandais un peu feignants, ils ne sont pas venus supporter l'équipe dans la salle. Allez, on y croit. Pour Gibson, la balle est rendue hors-chi. Du numéro 7, Matthew Gibson. Balle pour Orchi. Prochain faute du numéro 7, Matthew Gibson. Première faute. Shoot à 3 points de Gamel. Marché. Alors, chic. Toujours sur le dos. 8 minutes 39 placements dans ce premier quart-temps. Faute plus panier accordé. Faute de Demarco Cox. De Zarko Rakosevic, plus un lancé franc. Et un lancé. Le score est maintenant de 2 à 0 pour Orchi. Faute de Demarco Cox, première faute. Et un lancé franc raté. Solera qui relance.
lancer. Faute a priori de Neko Hunter, si j'ai bien vu. C'est ça. Numéro 8, Neko Hunter. Première faute. Première faute, deux lancers pour Chaland. Deux lancers pour Chaland. Le score est de 4-0 pour Orchi. Maintenant, un point ouverture du score pour le VCB avec des marques au Cox. Reste un lancer. Ça échoue. Il avait le pied sur la ligne, pourtant. Elle avait été sortie. Elle n'est pas sortie. Si, les pieds sur la ligne. Et le point supplémentaire. 6-1. Chaland 6 pour Orchi, il reste 6 minutes 40. Pour deux shoots. Le premier est réussi. 5-7. Et le deuxième également. 5-8. Il reste 5 minutes dans ce premier carton.
arbitres se concertent. Et oui, la balle est rendue à Chaland sur le contre d'Orchy. Même si on arrive à la fin de la possession et ils remettent 24 secondes. C'est pas logique, donc 14, on est d'accord. Sur la ligne, elle est sortie, balle rendue à Orchy. Toujours 5 à 8, il reste 4-48. 5 pour Chaland, 8 pour Orchy. Dans ce premier quart-temps. Thank you.
c'est maintenant. Entrée en jeu du numéro 12, Mustapha Diop. C'est bien ça. Sortie du numéro 8, Nico Hunter. Le score est toujours 11 pour Chalon, 13 pour Chalon, 2 minutes 30. Chalon qui engage. Côté banche allandais, Benjamin Thomas qui se prépare à rentrer. Voilà, 6-7, 3 points. 16 pour Orchy. Pour Jason. Il reste 1 minute 37 dans ce premier quart-temps. L'arbitrage est compliqué. Hein. Chalon, 12 pour Chalon, 16 pour Orchy. Chalon est rendu à 5 fautes d'équipe, 2 lancers pour Chalon, pour Orchy. Chalon est dans la pénalité avec 5 fautes d'équipe, il y aura 2 lancers francs pour Orchy sur une faute de Jason Jones. Mais le deuxième, c'est raté. L'espace fait que Orchy récupère la balle. Mène 19 à 12. On se prend du qui remet également ses deux points. Et Orchy mène 21 à 15, il reste 11 secondes. Et dans la position est donc chalandaise. 5, 4, 3, 2, 1, shoot. Et ça rentre. 17 pour Chaland, 21. 17 à 21. Orchy.
J'ai dû rater un panier à deux points. 20 pour Chaland, 25 pour Archi. J'ai pas vu qu'il avait marché. Marqué. Très homogène hein, chez Archi parce que quasiment tous les joueurs ont marqué. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut bien dire que tous les joueurs sont dangereux, c'est clair. Le faux offensif de Demarco Cox. Prochain envoi du numéro 9, Demarco Cox. Deuxième faute. De shooter sur la ligne des lancers. Moustapha Diop qui sort et Neko Hunter qui re-rentre. De lancer pour Chalon, Demarco Cox se lancer. Le premier qui rentre pour Demarco. 21 pour Chalon, 25 pour Orchi. Le deuxième cas, il reste 8 minutes. De Chaland, 25 ans chez ça tourne beaucoup à Chaland. Jason pour un 3 points, mais faute. Je vois pas le numéro du numéro 7, Anthony Racine. C'est sa deuxième faute. Il n'a pas encore marqué. Et donc Anthony Racine qui sort contre Geoffrey Verbeek.
Chaland, 25 pour Orchi, ça recolle. Démarque Cox qui est sorti et Olivier Gosse qui vient rentrer. Le panier est accordé sur un contre illégal. Un peu long, mais Jason Jones qui met la main et qui ramène le Chaland à 1 point 26-27. Il n'y a qu'à pas réussi à empêcher les deux points complémentaires de Zarco Rakosevic. Il est grand, mais pas assez sur celui-là. Qui coupe la relance. Et c'est sa première faute. Changement. Sortie de Soares Assissé, entre en jeu du numéro 4, Hugo Dumortier. Joli geste, mais ça ne conclut pas. Le pointeur qui rate son 2 points sur une belle détente. Il fait le tour de la peinture. La récupération de Jason. Jean Thomas qui a replacé tout le monde. Oula. Vite ça. Mais ça ne rentre pas. Et la balle est récupérée par Manu Monceau. De 29 partout. Deux fautes également de chaque côté. Deux fautes collectives. Allez, partout, reste 5 minutes 10 dans ce deuxième carton. Oh,
Vucevic. Un shoot raté, faute de Geoffrey Verbeek sur la relance. C'est sa première faute. Qui rentre, sortie de Manu Monceau. Prochain changement, sortie Manu Monceau, entrée en jeu, Mathieu Gibson. Défense ! Et à nouveau un échec sur ce 3 points. Soirat à 6 qui se rate. Jones à nouveau 3 points et ça va. Il est en feu ce soir. Le 35 pour Chaland, 29 pour Orchi. Il est déjà à 17 points. 17 points marqués alors qu'il reste encore 3 minutes et 29 secondes dans ce deuxième quart-temps. Il est chaud, chaud, chaud. Il y a Saint Devrigno qui se réveille. Deuxième faute, 35 pour Chaland, 29 pour Orchi, 35 Chaland, 29 Orchi, 3 minutes 10. Changement. Orchi, changement, sortie du numéro 9. Sortie de Geoffrey Verbeek et entrée en jeu de Anthony Racine. Entrée en jeu également de Benjamin Smith. Raté un changement, je suis désolé. Un joueur qui est sorti de super, je n'ai pas vu. On a un 2 points. 37-29. Chaland mène de 8 points. Jamais l'écart n'a été aussi grand. Chaland a repris les couleurs. Il sera un peu plus dedans. Plus agressif aussi. Et 2 points. Ouais, c'est Lich. Zarco qui remarque 2 points. 37-31. C'est Georgie qui rate. J'ai pas vu la faute. C'est assez étrange.
deux points. Le Benjamin Smith. 37 Chaland, 33 pour Franchi. Désolé, c'est la musique en même temps, donc des fois je suis pas en train de jeu. On est novice. On est novice, on démarre. J'espère que tous les clubs ont la bonne idée de faire comme nous. Ça serait quand même super bien. Ça permet à tous les supporters qui ne sont pas dans la salle, qui ne peuvent pas venir, qui habitent à plusieurs centaines de kilomètres, eh bien, de voir le match quand même, dans les conditions qui sont le Facebook Live. C'est toujours mieux que de ne rien voir, ou d'avoir un lien download sur le site de la Fédé. 37 pour Chaland, 33 pour Orchi, mais Giorgio qui rentre son premier panier, et on est à 38. Il reste une 47 avant la mi-temps. Et deux points. 39 Chaland, 33 Orchi. Et Rakosevic qui perd le ballon, qui sort et du coup la balle est rendue à Chaland. Possession, Chaland, Benjamin qui remonte le ballon. Oh, Mathieu Guislain dans un geste difficile, c'est dommage. C'était un beau geste. Il y a faute, Benjamin Thomas. C'est la première faute de Benjamin Thomas. Chaland qui est à 4 fautes collectives, Orchi 5. Orchi est déjà dans la pénalité. Quand je dis déjà, ça va, il reste une minute. Très beau geste. Benjamin Smith. Qui ramène Orchi à 4 longueurs. 39 Chaland, 35 pour Orchi. Rapide ça. Et on va mettre un petit peu de musique. Il reste 25 secondes.
bat, il shoot à 3 points et ça rentre. 43-40. Un peu d'échauffement là. À la fin de cette première mi-temps. Merci à tous, à tout de suite.